Salut à tous, alors aujourd'hui petite balade matinale, objectif trouver des coins sympas pour prendre quelques photos, toujours en empruntant le réseau secondaire au cœur des Cévennes. Je vais essayer d'aller dans des endroits que je ne connais pas, traverser quelques petits hameaux. Alors le risque c'est qu'il y aura peut-être des routes avec des graviers, du gravillon, voire pas de bitume du tout, mais rassurez-vous, dans ce petit sac de réservoir, j'ai pris une bombe anti-crevaison au cas où. Alors la deuxième caméra est en place, fixée sur repose-pied passager, histoire un petit peu de varier les points de vue et de changer de la vue subjective au casque. Premier arrêt photo. Du gravier. Bon, il vaut mieux qu'il soit sur le bas-côté que sur la route, mais à mon avis, d'ici quelques jours, il ne sera plus là. Voilà, les choses sérieuses vont commencer. Là, c'est un tout petit chemin indiqué VC1. Ah ben voilà, il y a un revêtement plus sympathique qui est sur cette portion de route. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut rouler vite. Bon, ben on va terminer cette balade par une portion de nationale, histoire de prendre un petit peu de vitesse. Il faut un petit peu varier les rythmes pendant les balades, je trouve. Donc, après le rythme cool, le rythme un peu plus soutenu. Incroyable, il avait un stop, il est passé sans regarder. Petit mot de la fin avant de rentrer sur Montpellier, vous l'avez vu, je n'ai pas eu besoin d'utiliser ma bombe anti-crevaison. Pourtant, il y a certaines routes qui avaient un aspect pas très praticable. Comme toujours, les photos sont sur Instagram, le tracé est sur Mototrip. Pour moi, ça a été une balade plutôt rafraîchissante puisque je suis parti assez tôt. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.